appeler maman? Ouais, c'est une bonne idée. Non, tu te sens costaud? Oui, pourquoi? Non, mais je veux dire, tu tiens la grande forme. Pourquoi? Viens avec moi. Où est-ce qu'on va? Tu verras. J'y vais. Salut, excusez-moi. Vous, vous êtes déjà essayé au bras de fer? Pourquoi? Ben, j'ai un poulain, là, qui pourrait battre n'importe lequel de vous trois en deux manches et la belle. Non, il plaisante, là, excusez-le, allez, on y est-ce va. Est-ce que j'ai une tête à plaisanter? Tiens, j'ai tellement confiance que je vais même mettre du pognon sur lui. Si j'arrivais pas à te battre, toi, je crois que je me flinguerais. Dites-le, ça va trop loin. Relax, bon, enfin, tu sais bien qu'il va te dérouiller, il est trop mais fort. C'est le contraire. 10 contre 1, d'accord? Toi, tu mets $1, moi, j'en mets 10. Je marche, d'accord. 10 contre 1, je suis d'accord. Okay, bon, demain, chez la belle, s'il y a lieu. Mais ce gant, tu l'enlèves. Faut être réglo. C'est moi un petit bas facile. Un gant, c'est avantage. On y est, les hommes. Concentre-toi, Mike, tu l'auras. Donnez le signal. Tu es prêt, Mauviette? Il a une main de vie. Ah, bah, peut-être que c'en est une. Faire le vide. Et surtout, ne l'écoute. Allez, vas-y, bousille. Allez, tu vas leur montrer, hein. Tu vas l'écraser, Mike. Tu verras, c'est rien. Tu passes le top, la ligne. Allez-y. À fond, Mike. Allez, vas-y, les doigts. Tu vas regretter, là. Appuie. Allez, Bobby. Ouais. Bousille-le, mec. Je vais le passer à travers la table. Vas-y, Bobby. Ouais, allez. Ouais. Allez, vas-y, Bobby. Allez, tu peux le baiser. Allez. Ouais. Ouais, c'est la belle, t'allais pas voir ta maman. C'est pas grave, Mike. Eh, t'as eu ta leçon, hein. Eh, mets $10, monsieur. Il y a encore 2 manches. 20 manches, mec. Ouais, du monde est ça, c'est du muscle. C'est payant. Mike. Qu'est-ce que tu fais là? Vous avez fait ça pour me ridiculiser, reconnaissez-le. Grand-père l'a toujours dit, vous êtes un perdant, alors vous voulez que je perde moi aussi. Je le sais, je vous déteste. Mike? Tout ce que ton grand-père peut raconter sur mon compte, ça m'est bien égal. Ce qui m'intéresse, c'est toi. Et si t'as perdu, là, c'est entièrement ta faute. C'est parce que tu t'es laissé battre. Ça, j'en suis sûr. Et je suis sûr aussi que tu peux gagner. Parce que t'es mon fils, t'es pas n'importe qui. Mais ce que je sais aussi, c'est que t'es un gosse trop gâté, trop riche, qui a toujours eu tout ce qu'il voulait quand il le voulait. Alors maintenant, il va falloir que t'apprennes à te battre tout seul. Parce que moi, je vais te dire une chose. Le monde, jamais il te fera le moindre cadeau. Et ça, faut que tu le comprennes. Si tu la veux, la médaille, tu dois la gagner. T'entends, tu dois la mériter. Alors tu vas y retourner parce que tu peux gagner. Mais si tu perds, alors tu perds. Là, on s'en fout. Si tu sais perdre avec un moral de gagneur, ça, c'est pas une défaite. Et tu pourras garder la tête haute. Mais je te promets que si t'y retournes pas, tu le regretteras. Toute ta vie, tu regretteras d'avoir abandonné. Allez, viens. Tu peux essayer de gagner pour moi. On les aura. Ce type, je peux le battre. Dis-toi que t'es 2 fois plus fort que lui. Il faut que t'y crois. T'entends? Il faut que t'y crois très fort. On y va. Et vous disiez qu'il était fort? Oh, la première manche, il était gentil. Oh. Mais là, on va au charbon. Ah, il va le battre. Là, on va au charbon. Oui. Tu crois que ce petit con va faire le poids? Ah, ça non, tu rigoles. Allez, en place! Vas-y, ce coup-là, il traverse la table. Allez, tue-le, Bobby! Tu sais, tu regretteras, petit mec. Mais tu le sais, ça. Ce que je sais, c'est que t'as une mauvaise haleine. Allez! Allez, Vas-y, Mike, t'es un vrai petit dur, c'est ça? Oh, quelle victoire, je suis fier. Paye maintenant. Et passons la monnaie. Oh, le mesquin. Allez, paye. D'où tu tiens ça? C'est héréditaire. Merci. Et j'ai de bons chromosomes. Et comment? Allez, ça va, ça va. Non, mais ça va, je dis, la gagner, la gagner.